votre jeu. Ouais, mais c'est rien comparé aux activités ringardes d'Odile. Les enfants, je viens d'avoir une idée formidable. On va tous partir en randonnée. Et cette nuit, nous dormirons à la Belle Étoile en pleine forêt. Préparez vos affaires et rendez-vous ici dans une heure pour le départ. Ouais! Tu te rends compte? On va dormir dans la forêt. C'est génial! Je suis sûre de récolter un max de scoops pour mon blog. Ouais, sensationnel, mais à haut risque. La vallée est truffée d'endroits bizarres. Il faut pas que les adultes tombent dessus. Squeak, tu viens? Laisse tomber, il a envie de faire son pantouflard. Heure limite de rassemblement dans 5 secondes. 4, 3, 2, 1... 0! C'est quoi tout ça? Notre équipement, bien sûr. Un kilomètre à pied, ça muscle, ça muscle. Un kilomètre à pied, ça muscle les mollets. 2 kilomètres à pied, ça muscle, ça muscle. 2 kilomètres. Attention, racine. Attention, racine. 3 kilomètres à pied, ça muscle. Attention, ça muscle. 3 kilomètres à pied, ça muscle les mollets. Hippolyte, vous qui êtes si fort, vous pourriez décharger un peu ce pauvre Malik? Absolument, madame la directrice. Tu parles? Je suis sûre qu'il est même pas capable de porter le mien. Comment ça, je suis pas capable? Et ça, c'est pas capable, hein? Oh, ça compte pas. Le sac de Brian est très léger. Le mien, par contre... 10 kilos sur le dos, ça muscle, ça muscle. 10 kilos sur le dos, ça muscle les biscuits d'eau. 20 kilos sur le dos, ça muscle, ça muscle. 20 kilos sur le dos, ça muscle les biscuits. Stop! On fait une petite pause. Alors là, je crois que c'est à droite. Ah bah non, non, c'est à gauche. Quoique, je me demande si finalement... Hey, psst! Faut faire attention. On est juste à côté de la grotte casino des frères Castor. Aïe! Odile! Est-ce que je pourrais essayer de guider la troupe vers un lieu de campement? Excellente initiative! Oh, j'allais justement te le proposer. Waouh! C'est une vraie clairière de contes de fées ici. C'est parfait pour des princesses comme nous. Ah, je crois que c'est bon. On s'installe là pour la nuit. Oh, Hippolyte, vous voilà enfin. Puis-je vous suggérer d'installer le campement avant le coucher du soleil? Merci. Les enfants, on va jouer à « J'installe mon campement comme un grand sans l'aide des adultes ». Vous connaissez? Mais à quoi ça va servir tous ces trucs? Brian, je te félicite pour ta curiosité. Hein? Ceci est une cuisinière chauffée à la bouse de broche. Nous avons des toilettes multiplaces parfumées aux huiles essentielles. Un ballon d'eau chaude à énergie solaire pour la douche. Un frigo ultra léger en terre cuite. Et le fin du fin, un super système anti-pluie fait par... Hippolyte! Absolument. Démonstration. Wow. Étanchéité totale, isolation garantie contre les pires tempêtes, matelas gonflable intégré, même la lumière ne peut pas y entrer. Bien! Dès qu'Hippolyte aura replié son chef-d'œuvre, il ne nous restera plus qu'à attendre le coucher du soleil en chanson. Wouhou! Ce serait vraiment bien que le soleil se couche vite. Cette clairière a un truc qui cloche. Le soleil n'a pas bougé d'un poil depuis qu'on est là. J'ai pourtant bien vérifié sur ma carte. Il n'y a rien de spécial ici. Laisse faire le roi de la boussole. Déjà, si tu évitais de confondre le nord et le sud, ce serait pas mal. En fait, on est là... dans... La clairière où le soleil ne se couche jamais. Aïe,
Selon Wapi Thérèse, le Flapacha aurait enchanté cette clairière pour pouvoir s'y promener les nuits d'insomnie. Pas bon, ça. Faut surtout pas que les adultes s'en rendent compte. Vous n'auriez pas l'heure, s'il vous plaît? Absolument. 20h04. Hein? Pas possible. Vous avez vu le soleil? Il est plutôt dans les 17h. Et c'est pile l'heure du thé. Hop! Offert par la maison. Fayot. Les adultes se sont évanouis! Mais non, ils sont juste endormis avec de la tisane bio-dodo ultra concentrée. Pour éviter qu'ils découvrent que nous sommes dans une clairière un peu spéciale, on va vous expliquer. Ici Matt le blogueur, en direct de la clairière insomniaque. Il est minuit et le soleil brille toujours. Que pensent nos témoins de ce phénomène incroyable? Trop cool cette nuit blanche! On va en profiter pour bronzer jusqu'à l'aube. Je suis avec vous sur ce coup les filles. Ah c'est bien gentil tout ça. Mais s'il y a un adulte qui se réveille au beau milieu de la nuit, du jour, on est viju. On va se mettre à l'abri de la lumière sous la tente. Laisse faire les hommes. Ok. Bravo les gars. Et voilà. T'avais raison, Greta. Ils collent super bien, ces escargots. Messieurs, dames, on ferme. On y est arrivé. La voilà, notre nuit. Youhou! Non, mais c'est... Qu'est-ce que c'est? Hippolyte! Ah! Vous avez l'air tout effrayé. Mais pas du tout. Qu'est-ce que vous allez imaginer? Je tremble de froid, c'est tout. Oh, vous voulez bien aller voir ce que c'est? Vous allez où, Hippolyte? Chut. Je veux entendre tout le monde dormir. N'y allez pas, s'il vous plaît. Et si vous ne revenez pas, comment on va faire sans vous? Pas de panique. Vous allez finir par me porter la poisse. Aidez-moi, j'ai voulu aller aux toilettes, mais j'ai vu une grosse bestiole bouger dans les buissons. Je vous jure, j'ai eu trop peur. Enfin, Malik, c'est n'importe quoi. Suis-moi. Non! Sinon, ça va faire comme dans les films d'horreur. Dès qu'il y en a un qui s'éloigne du groupe, il se fait déchiqueter. Malik, ce n'est pas pour rien qu'il faut toujours aller au petit coin avant de se coucher. Alors, personne ne bouge d'ici, et ça t'apprendra. Au lit! Vous dormez, les enfants? Oui. Et si quelqu'un chantait une berceuse pour me... Enfin, pour nous calmer un peu? Un kilomètre allongé, ça endort. Un kilomètre allongé, s'endort les mouflets. 2 kilomètres allongés, ça endort. 2 kilomètres allongés, s'endort le petit Polyte. Qui aurait-il? Oh, quelle nuit merveilleuse! Hippolyte, votre duvet est tout mouillé. Ne me dites pas que... Oh là-bas! Un troupeau de cerfs à rayures! Magnifique, non? Allez hop, on remballe le campement et on rentre à la maison. Qu'est-ce que vous avez fait à mon système anti-pluie? Ce sont les bêtes de cette nuit qui l'ont grignoté. Elles devaient avoir hyper faim, les pauvres. Debout, on lève le camp.
Hein? Super ton bronzage de homard, oh. Brian. Hé, hey, les écrevisses, vous avez vu vos têtes? Hé, hey, venez voir ça! Un arbre à jus d'orange! C'est peut-être un cadeau du Flap à Chat pour nous redonner des forces! Ah. Mmh, ça donne la pêche! Bien! Qui sera notre guide au retour? Moi, c'est mieux. 10 km à pied, ça muscle, ça muscle! 10 km à pied, ça muscle les mollets! Hein? Mais qu'est-ce que cette carte à la noix? Là, c'est pas mieux comme ça? Venez, c'est par ici! Et attendez! Vous êtes où? Oh, me laissez pas tout seul! Il y a des drôles de bêtes dans le coin! Thank you.